il existe des tonnes de vidéos folles et tendances sur Internet. Et on trouve que plus elles sont bizarres, mieux c'est. Alors regardez et amusez-vous bien pendant que nous testons les tendances et les défis actuels. Fais-tu partie de ces gens qui aiment faire rire leurs amis? Avec une veste à fermeture éclair sur le haut des cuisses, cache tes mains et place la capuche sur tes fesses. Maintenant, va faire un tour. Hey, qui est ce petit gars? On dirait un petit lutin ou quelque chose comme ça. Regarde son petit pas de côté. Cette astuce est géniale et tu peux l'essayer au parc, dans une rue animée ou même dans ton quartier. Mais ne sois pas surpris si tu attires les regards. Pour le prochain tour, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un rouge à lèvres et d'un téléphone. Ah oui, et un miroir de salle de bain. Maintenant, avec le rouge à lèvres, dessine un grand cœur sur le miroir. Ne t'inquiète pas, ça s'effacera facilement après. Maintenant, colorie le cœur comme ça. Ouais, entièrement. Choisis un vieux rouge à lèvres que tu n'utilises plus car il sera probablement tout aplati après ça. Combien de temps ça va mettre? Ah, voilà. Place maintenant tes doigts sous le robinet et mouille-les un peu. Éclabousse le miroir juste au-dessus et autour du cœur. N'oublie pas de fermer l'eau. Prends ton téléphone et pointe-le vers le miroir. Ajuste maintenant le réglage de l'éclairage et mets-le au minimum. Encore plus! Et clique! Wow! Qui aurait cru que ça rendrait si bien? Plutôt artistique, non? Oh, hey Vicky! Pourquoi es-tu si en colère? Nom d'une vache! Depuis quand tu fais de la muscu? De toute évidence, quelqu'un a bien mangé ses épinards. Ok, attends une minute. Ce ne sont pas tes vrais bras, Vicky! Ah, je le savais! C'est bel et bien un homme. Oh, salut Ellie. Attends, comment tu fais ça? On dirait une sorte de dessin animé, image par image. Eh bien ma chère, t'as l'air en forme. Bravo. Attends, waouh! On dirait que tu tombes d'un immeuble de 20 étages. Waouh, comment tu fais pour changer de tenue si vite, Ellie? Ok, peux-tu enfin nous dire comment tu marches sur place comme ça? Ok, donc tu te filmes sur ton téléphone en marchant en avant et en arrière. Et en avant et en arrière. J'ai compris maintenant. Donc en faisant des allers-retours, clique sur le bouton de l'appareil photo et prends ainsi des photos de toi dans le miroir. Pour faire croire que tu tombes sans sauter de où que ce soit, fais une drôle de tête pour avoir l'air terrifié. Change de look en un clin d'œil grâce à une perruque. Hop, voilà d'autres chutes. Tu peux donc aller partout, mais sans quitter ta salle de bain. Hey, le résultat est génial! Parfait pour Instagram! Tu aimes les tours de magie? Regarde cette astuce de folie! Waouh, depuis quand Vicky a appris à l'éviter? Si tu t'ennuies lors d'une fête, trouve un placard et joue ce tour à tes amis. Hey, on dirait que c'est plutôt pratique quand on ne trouve pas de chaise pour s'asseoir. Ok Vicky, la plaisanterie fonctionne parfaitement. Rien de tel que la magie des miroirs pour nous divertir pendant des heures. Ah, rien de tel que sortir dans l'air frais de la montagne et de dévaler les pistes. C'est parti! C'est une pente assez raide. Waouh! C'est une belle colline! Génial! Hé Vicky, attention à cet arbre immense! Mais qui porte un short en ski? Les personnes qui skient dans leur salon, je suppose. Pour ce faire, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un ventilateur et d'un ami pour disperser des confettis. Hé, hey, qui est ce grand musclé? Mince, il est plutôt impressionnant. Wow, il n'a pas fini! Ce type s'entraîne avec Hulk ou quoi? C'est moi ou ses bras ressemblent étrangement à des jambes? Ouais, ses coudes sont bien des genoux. Mais j'imagine que passer une paire de jambes dans les bras d'un t-shirt n'est pas une chose facile. Voilà, ses mains sont dans les chaussures. La voilà! Oh non! Au secours! Venez m'aider! Mais enfin, tu devrais savoir qu'il ne faut pas jouer sur les toits des gratte-ciel, Vicky! Oh! Vicky, tu glisses! Accroche-toi! Hé! Hey, tu nous as fait peur pour rien! Pour ce tour, tu dois juste te tenir devant un ventilateur et te placer sur une grande photo de bâtiment. Et ensuite, fais un petit numéro! Si tu as aimé le tour de magie du placard, tu vas adorer celui-ci! Tu te demandes toujours comment les magiciens font léviter les gens pendant de longues minutes. Viens ici, Ellie, et montre-nous comment on fait. 1,
2, 3 et... Il vous suffit d'enfiler une paire de chaussures au bout de bâton, mesdames et messieurs. Tu vois, je t'avais dit que la lévitation n'était pas très compliquée. Un petit tour de pied. Et si on te disait que tu pouvais changer de visage, sans passer par la case de la chirurgie esthétique? Il te suffit de prendre un crayon dans chaque main et de les enfoncer dans les joues comme ça. Bien sûr, c'est assez bizarre sur le moment, mais attends une minute. Waouh, Vicky, on dirait de vraies fossettes. Check it out, girl. C'est incroyable. Super mignon et même pas besoin de passer sous le bistouri. On devrait parler aux Kardashians de cette petite astuce. Ok, alors, qu'as-tu retenu de cette compilation d'astuces et de ces petits tours à la mode? Tu n'as plus confiance en tes propres yeux? Eh bien, c'est normal. Souviens-toi simplement que ce que tu crois voir n'est pas toujours la réalité et qu'il n'y a pas de mal à regarder d'un peu plus près. Tu vois ce que je veux dire? Ok, prenons juste une minute pour admirer cette belle musculature, d'accord? Ok les gars, je pense que tout le monde a compris. Tu es fort, c'est ça? Ça t'a plu? Ne manque aucune de nos superbes vidéos en t'abonnant à notre chaîne 1, 2, 3, go! À la prochaine les amis! Les amis, quel bricolage et quelle astuce souhaiteriez-vous que l'on fasse? Laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air si vous voulez voir d'autres vidéos au plus vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne.